Et avec nous ce soir, Claire Lebêtre de Boursier.com, bonsoir. Bonsoir Loïc. C'est un nouveau coup de déprime hein, ce soir sur Wall Street. Oui, lourd repli ce soir pour les indices américains avec un Dow Jones qui chute de 2,32% à 16 514 points. Le Nasdaq qui regroupe les valeurs technologiques lâche de son côté 3% à 4 689 points. C'est encore la Chine qui joue le rôle de catalyseur. Le vent de panique se confirme avec un plongeon supplémentaire de 7% de Shanghai ce matin. Avant une suspension des cours. Pas d'embellie non plus sur le front du pétrole, qui avait déjà perdu plus de 5% hier. Le brut léger américain finit en baisse de 2% à 33,27 sur le NYMEX. Apple chute de 4,2% sous les 100 dollars, troisième séance de recul, toujours sur les craintes d'une baisse de la production de ses derniers iPhones. Deux gros dégagements sur Yahoo, qui pourraient encore supprimer 10% de ses effectifs. Le titre lâche plus de 6%.

alors que le bilan des commandes pour 2015 pourrait s'avérer décevant. Et puis l'euro poursuit sa progression à 10933 ce soir face au dollar. Les inquiétudes liées à la Chine et au pétrole ont également pesé sur le marché parisien. Oui, le CAC 40 chute encore de 1,72% à 4404 points. Le CAC qui a même abandonné plus de 3% en matinée dans le sillage des marchés chinois. Les valeurs liées aux matières premières et au pétrole sont logiquement en première ligne. Valourec Davis ce soir de plus de 7%. ArcelorMittal lâche 5,5%. Technip moins 3,7%. Les valeurs financières aussi subissent des dégagements. Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale lâchent plus de 2%. Et dans ce marché à la baisse, c'est Air France-KLM qui se distingue. Oui, petite progression pour Air France-KLM plus 0,5%. Le groupe devrait bien dégager un résultat d'exploitation positif en 2015, selon son PDG Alexandre de Juniac. Les valeurs liées au Télécom résistent aussi, toujours soutenues, à part la confirmation de discussions sur une reprise par Orange de Bouygues Telecom, Numericable SFR gagne 1,4% et de 0,4%. Ailleurs, en Europe, c'est aussi le pessimisme qui domine sur les places financières. Londres cède 2%, Francfort perd 2,3%, Bruxelles moins 1,7%, Madrid moins 1,5%, Amsterdam et Zurich moins 1,9% et Milan recule ce soir de 1,1%. Le rappel du CAC 40, il chute encore de 1,72% ce soir à 4404 points. Merci Claire Lemaitre de boursier.com avec nous en direct sur Europe 1.